15 juillet et là je cherche les orchidées. Un peu plus d'un mois après qu'ils sont passés sur cette prairie là à Bruges, ben là en juin ils repassent, là ils viennent repasser là. Là je vais devoir passer sur cette prairie là pour re-raser encore comme si c'était pas assez bien. Et là il a fait le fossé à fond là pour qu'il y ait surtout aucune herbe, pour qu'il y ait en fait que des graminées exclusivement. Loin de la gare de Bruges, donc c'est riche, hein, il y a des fleurs, des bourdons, etc. Et là il va raser tout le bas côté de la route pour rien. En fait la route elle est vachement loin là, à 10 mètres au moins. Donc lui ce qu'il va faire avec son tracteur c'est tout raser là, ben, parce que pour lui c'est pas propre. Donc il y a les orties, il y a tout ce qu'il faut pour qu'il y ait beaucoup de papillons, viserons, etc. Donc il va raser, c'est dommage. Hein. Voilà. Là ici, on voit qu'il y a de l'oseille sur un lieu très humide. Donc c'est probablement une oseille des marais. Et sur cette oseille, il y a le cuivré des marais. On voit les feuilles qui ont été mangées. Est-ce que c'est une chenille de cuivré de marée? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cet endroit, c'est un endroit où vit le cuivré de marée. Un fossé comme ça, humide. Bon, là, on est à 10 mètres de la route. Il pourrait y en avoir ici. Bon, c'est pas très sauvage, mais il pourrait quand même y avoir des papillons intéressants. Voilà. À côté, là, il y a un beau pied de il y a un beau, de beaux chardons. Ils sont jolis, hein. Ils sont en fleurs. Voilà, il va continuer à donc massacrer cette nature là. C'est quoi qui massacre? Ben c'est ni plus ou moins la vie. Voilà, c'est des bourdons, c'est tout ce qui permet ce qui est de la vie ici. Bruges, qui est un peu de vie sauvage. Ici, il y a beaucoup de plantains. Il pourrait y avoir des milités du plantain. Ou des milités des centaurés, mais comme ça va être rasé, s'il y avait des chenilles dessus, tout va être tué. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y en a pas ici en fait. Il y a toujours tant de fleurs, hein, avec ces petits escargots. Ah, ces petits escargots là. C'est pas de vivre celui-là, quand il va passer avec la broyeuse dessus. Voilà. Bon, là on voit la voie ferrée près de Bruges. Cet endroit ne nécessite aucun entretien étant donné qu'il y a plein de cailloux sur le bord. Il y a quelques herbes sèches qui poussent là sur le bord. Donc ça nécessite strictement aucun entretien ça, cet endroit. Très nombreux ici à Bruges, dans les zones sauvages. Très butinés. Une pyrite de la rave au cœur de Bruges. Voilà un talus laissé naturellement fleuri. Pas d'intervention humaine depuis longtemps. On voit ici une plante desséchée l'année dernière et une autre aussi là. Donc là on voit ce que ça donne. Beaucoup de jolies fleurs. Là, des vipérines, fleurs bleues là. Bon, c'est joli. Hein. Hein, qu'on voit à la hauteur là, quand il coupe là. En fait, il coupe, il rase absolument tout quoi. Il a absolument rasé quoi. Tout est rasé là. C'est affreux là. Ah, ça fait de la poussière. Après je sais pas ce qu'il va raser tout ce qui est roseau derrière. Là c'est vraiment rasé là. Y'a plus rien là. Là le sol il est à nu pratiquement.
Là, ça va être sec, tout sec. Des punaises. Des escargots encore sur les plantes. Là, des escargots. Et là, une punaise aussi. Là, une punaise. Notre espèce de punaise. On voit toutes les variétés d'insectes. Avec toutes les variétés de... Il n'y a jamais eu de fauche. Là, de ce côté de la route, il n'y a jamais eu de fauche. C'est laissé naturel. C'est joli, je trouve. Ah, on voit un... On voit un lycénidé là, je vais essayer de le prendre de près. C'est pas évident. Hein. Quelle est cette espèce, je sais pas. Je vois pas ce que c'est. Il est petit. Hein. Il est petit. Il fait pas 2 cm d'envergure. Plein cœur de luge, on trouve des cétoines funestes. Mais pour combien de temps? Est-ce que cet endroit va être laissé rempli au bord de Referré? Est-ce que cette fine bande va rester en paix? Je sais pas. Moi je trouve franchement que c'est joli. C'est bien plus joli que l'herbe hachée. Une polymatinée bleue là. Taille moyenne. 2,5 cm d'envergure. Beaucoup de vipérines. Un cuivré commun là. Juste le long de la rocade. Bon, voilà le topo. Hein. Bon, malheureusement, j'ai plus de batterie dans la caméra. Non, je peux plus filmer quand il est coupé. Bon, mais il a tout coupé là. Comme on peut voir. Et maintenant, ben, il n'y a plus rien. C'était riche là, il y a plein d'herbes. Intéressantes, de l'oseille, plein de fleurs. Voilà, plein de. Plein de chardons. Mais non, il n'y a plus rien. Là, on voit la feuille d'oseille là. Là, tout est coupé et tout. C'est nul. Voilà, il reste quelques fleurs là. Qu'il a laissé sans faire exprès. Hein. Là, les libellules qui restent. Tout a été coupé, pour rien. Donc qu'est-ce qu'on voit comme plante? Ben de la menthe, des graminées, des centaurées, une toute petite ronce. Donc si vous voulez pas. Vous pouvez couper la petite ronce, c'est tout. Et puis ça, les morceaux de plastique dégueulasses, ça, ils les laissent, ils font rien. Surtout, ils font rien, c'est pas leur travail, ça. Donc voilà, tout était coupé dans le fossé, là. Alors que l'eau coulait très bien, c'était parfait, c'était extrêmement intéressant. Et là, bah, il va continuer à ça de besogne, je pense, il va revenir. De la vipérine. Donc c'est extrêmement fleuri. Ici, les tiges de surouyèbles sont recouvertes d'escargots. Ordure, une entreprise qui nous prépare du plastique de couleur foncée qui en plein soleil devient vraiment brûlant. Aïe que c'est chaud. C'est une stupidité ça, vraiment incroyable. Par rapport à ça, on peut voir le contraire. Ce qui est là, voilà. Alors là, c'est une bordure intelligente. En fait, ils n'ont rien fait. Donc là, c'est intelligent, là. C'est naturellement fleuri. Voilà. Peut-être les fleurs apportées, je connais pas ces fleurs, là. Mais c'est joli, j'aime bien, moi. J'aime bien les coquelicots, je trouve ça joli. Je trouve ça agréable. Alors là, nous sommes sur la petite zone en bord. On trouve de très jolis chardons secs.
sur les bordures. C'est vraiment très joli. Ça fait des plantes de coton qui sont parties déjà. C'est magnifique. Voilà un bord de route non fauché. Voilà ce qui pose problème. Moi ça me pose pas de problème ça. Ça me pose pas de problème, au contraire. Ça me pose pas de problème non plus. Voilà, ça n'a pas été fauché là. C'est grave, oh que c'est grave. Mais non, c'est pas grave, c'est génial. On observe toutes sortes de variétés de graminées. Celles qui ont surmonté au printemps, qui sont des haches sèches, qui sont magnifiques. Là, du chindon, très dense, c'est joli. Il y en a une multitude de petits criquets là qui s'envolent, enfin qui sautent. Là, nous sommes dans une fosse de récupération des eaux à Bruges. Bon, le sol est très sableux, très sec. Nous sommes en bordure de rocade. Hein. Ici, il y a un de ces chardons géants dont les fleurs font 500 mètres de diamètre. Petite crucif, plein de petites hyménoptères. Et puis aussi les chenilles pyridées. Certaines entreprises gardent à l'intérieur de leur cour un parking laissé totalement sauvage. Comme quoi c'est possible. On voit que cette prairie est vraiment sauvage. Il y a du liseron, il y a de l'oseille. Voilà, c'est très joli. Moi je trouve ça très joli ce fouillis de couleur jaune. Avec un peu de rose des fois. Du blanc. Alors, à contrario de l'autre côté, ils font une coupe de temps en temps. Et on voit que c'est vert entièrement. Il n'y a pas de couleur. Là où il tombe, il paraît ces plantes invasives là. Alors que là où c'est pas fauché, les plantes invasives ne sont pas là. Voilà, dans la zone industrielle de Bruges. Donc pourquoi dans certaines zones, ils rasent entièrement l'herbe? Et pourquoi dans d'autres, l'herbe est entièrement sauvage? Ici, il y avait des orties, du plantain. Donc là, il peut y avoir de la vie au moins. Alors là, au cœur de la zone industrielle de Bruges, 70 mètres sur 70 mètres, que l'herbe extrêmement sèche est coupée là. Un appauvrissement extrême du milieu. Bon, on s'aperçoit qu'il n'y a rien finalement là. Il y a bon. C'est vide, vide de vie. C'est vide de vie, il n'y a rien, rien, rien. Là sur le talus, là les engins ne pouvaient pas passer. Ben, il y a énormément de vie. Hein. Il y a des fleurs de toutes sortes. Là, il y a un terrier. Je sais pas ce que c'est un terrier de quoi? De renard? De lapin? Énorme, il est. Après, il y a les orties. Oh, ces plantes de rente là. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est très vivant ici. Là, les orties au soleil permettent... d'héberger les chenilles de Vanessa, souvent. Voilà, beaucoup d'orties aussi là. Voilà.
Et puis là aussi, ces chardons géants. Ces chardons géants, très intéressants pour les insectes. Une petite guêpe. Là, on voit dans la fossée encore un chardon géant qui fait 2 mètres de hauteur et dont les fleurs font bien 500 cm de diamètre. Toujours les petits bourdons qui boutinent. Là, nous avons une forêt d'acacia, bon, de robinier faux acacia, bon, des arbres non autochtones. Et au bord, nous avons des orties énormes qui poussent dans la fosse. Juste à côté, à 5 mètres, nous avons une petite zone sauvage avec des peupliers, des chardons, toutes sortes d'héliminoptères, de diptères qui vont sur les chardons. Habitation, il y a des gens qui rentrent la nuit, donc là c'est... Ouais mais bon, je veux dire, il n'y a personne la nuit. C'est pas éclairé. Ah bah, il n'y a personne ici la nuit. Là, il y a à peu près 150 familles. Bon, ici, dans la zone, là, les bordures à propriété sont laissées enherbées, c'est magnifique. C'est une beauté. Ici, dans la fossée, on voit des petites libellules voler. Des petites libellules avec du bleu métallisé. Et dans l'eau, ce qu'on voit, c'est des milliers de daphnies qui nagent d'un demi millimètre. Et ça permet de nourrir d'autres animaux qui vivent dans l'eau. Donc un fossé plein de végétation est un fossé où il y a de la vie. Bon, après on pourra dire il y a des moustiques, mais bon, pas tant que ça. Si c'est un milieu équilibré avec des... prédateurs, il n'y a pas tant de moustiques que ça. Voilà, c'était ici dans ce fossé là, là en bordure des propriétés. Alors 5 mètres plus loin, toujours en bordure de propriétés, dans le fossé on trouve des milliers de têtards de crapauds. Donc on peut constater que quand un fossé n'est pas entièrement fauché, débroussaillé, détruit, aplani, eh ben, il peut y avoir de la vie dans ces fossés. C'est plus intéressant d'avoir des têtards dans les fossés que d'avoir de l'herbe rase. Donc là, c'est agréable. Les enfants, ils peuvent s'amuser à attraper les têtards, par exemple. Bon, et cet endroit-là, à périmètre du désherbant, tout est sec, il devrait y avoir des herbes, c'est bizarre. Pour l'escargot, là, il doit avoir du mal à vivre. Près du rond-point, où est le chou, là-bas. Voilà une zone avec de très beaux chênes. 1 mètre de diamètre au tronc, au moins. Et on s'aperçoit qu'un engin ne fait que passer ici. On voit des grosses traces laissées dans la terre, boueuse. Un papillon de nuit qui s'est posé, là. Venu du chêne, il fait bien 7 cm d'envergure, celui-là est grand, même 8 cm. Là on voit que ceux qui passent avec des engins pour faucher certainement occasionnent des blessures. Donc là une blessure comme ça c'est très grave pour le chêne. Puisque tout ce qui est au-dessus là, ça ne va plus être alimenté. Bon là notre chêne c'est pareil, hein, une cicatrice. Occasionné par un engin, c'est encore stupide. Et celui-là, qui fait 1,50 m de diamètre, est colonisé par des cérambicidés. Il faudrait que je vienne un soir ici. Même par le Lucanus cervus. Alors là, nous étions là, celui-là. Et là, on passe à 5 mètres, entre un énorme chêne encore, 1,50 m de diamètre. Et là, pareil. Au sol, la racine a été écrasée par un engin. Débile. Là aussi, un petit chêne de 50 cm de diamètre. Je doute que ces cicatrices soient naturelles. Là, ces cicatrices, là.
Ça, ça a l'air d'être occasionné par des engins qui passent. Et là encore, sur le côté. Non, celui-là, là, il est un peu. On était là, là-bas. Non, celui-là, là, 15 mètres plus loin. Qu'est-ce qu'on voit? C'est pareil. La racine qui dépasse, là, a été écrasée par un engin. Là, on voit que ça s'effrit, là, d'ailleurs. Remplacer cette population, bah, ils mettent des espèces d'arbres, je sais un peu d'où ça vient. En tout cas, c'est pas des chênes, c'est pas des arbres d'ici. Donc, au lieu de replanter des chênes, ils mettent autre chose. Et dans 150 ans, ici, il n'y aura plus aucun chêne. Et pour y vivre 600 ans, devenir énorme, j'ai presque 1,50 m de diamètre. Et qu'est-ce qu'on voit? En à peine quelques années, des cicatrices énormes sont faites en bas de l'arbre. Ah, que c'est bête. Que c'est bête, que c'est bête. Tout simplement parce que les gars, ils pensent que c'est anodin de faire une cicatrice au bas de l'arbre. Ils pensent que dans tout le tronc, la sève circule. Non, pas du tout. C'est uniquement la périphérie. Et ça, c'est très grave, ça, de faire ça. 10 mètres plus loin, un chêne d'un mètre de diamètre. Et toujours pareil, en bas. Une grosse cicatrice occasionnée par une tondeuse, un engin de tonte. Là, nous étions là-bas. Et maintenant, ici, à 50 mètres, c'est pareil. Là, il y a 3-4 chaînes, là, sur un petit espace. L'engin a voulu passer entre les chaînes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Une grosse cicatrice sur cet arbre-là. Résultat, la longévité de cet arbre est nettement réduite à cause de cette grave cicatrice. Et qu'est-ce qu'ils plantent en ce chêner? Des chênes verts. Ils remplacent la forêt de chênes par une forêt de chênes verts. Et qu'est-ce qu'ils font? Leurs propres chênes verts qu'ils plantent? D'énormes cicatrices au tronc. Ceux qui tombent ici ne savent absolument pas comment vient un arbre. C'est une bêtise extrême. Là, il y a la moitié, presque la moitié de l'écorce qui est entamée sur cet arbre. Donc il a la moitié de sa vie qui est entamée là. C'est une bêtise de faire ça, mais c'est incroyable. Ils ne connaissent rien, 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 rien. Là encore, autour de ce marronnier, des grosses cicatrices dues au passage des engins. N'importe quoi. Là, on voit que le marronnier est attaqué par les cérambicidés. Donc c'est un arbre intéressant finalement, le marronnier. Bon, idem là, à côté, un autre marronnier qui est attaqué par des cérambicidés. On voit de gros trous dans le tronc. En fait, c'est exceptionnel de voir des marronniers attaqués par les cérambicidés. Là, on voit des trous avec de la sciure. Là aussi, dans la branche coupée. Ah, c'est plaisir de voir qu'ils sont attaqués. Quelle est cette cérambicité? Je me demande.